ce que dans le cœur. Ce que j'ai dans le cœur, en vérité, c'est la haine. Parce que mon oncle a souffert à cause de quelque chose. Ce qui lui appartient, ses propres droits. Il a souffert à cause de deux personnes. Et ces deux personnes, je les connais. Tu m'as précédé dans le séjour de mort. Tu étant le maître de temps et de circonstances. On a décidé que tu parles en premier lieu. Cher papa, tes souvenirs sont inoubliables. Ils resteront toujours gravés dans nos mémoires. Nous t'avons aimé et nous t'aimerons. Mission TV, le miroir du monde.
bongisa bomoi oyo babengi bomoi ya libela mpona mami kolomike oyo Adam na Eva toyebi ete natangaki na mokanda na Genèse 5:5 elobi ete Adam asalaki 930 ans Noa asalaki ba 950 ans c'est-à-dire na tango wana tango nzambe akelaki biso po ete tozalaka tango nyonso pembeni na ye po ete azalaki kosepelisa biso mpona nini atyaki liloba ni tozalaki kotosa tango baboyaki kotosa liloba oyo batelemelaki liloba wana liwanda ekotaki Alléluia. Pour nini bazwaki matoi na bango, bapesaki libanda. Baboyaki kotosa eloba na nsambo, nde liwe ekotelaki bango. Yango ye moko alobi ete mawa mabe ya mokili emati makasi na Genèse 6. Mabe mati ya koleka. Aregrete abi mpo na nini kutu nasalaki mutu. Moto akomi kosala mabe oyo Nzambe azokoka ta kotala te. Yango ayebisi moto ete. Et Seigneur est le 420 ans. Il y a mon aligné à Bisson à Pokalilo. Pour le Nini, il y a un bébé ça. Bon, il y a un bébé là, il y a un bébé là. Nicolas dit c'est moi qui le oyo. Oh, tu as dit que moi, on a mis sous et que les cas. Bah, étage oyo. Mon colombo côté, ton monde a été monté à Koufi. Bah, tu vas mettre tout à Bakounien, tu vas mettre tout à Kona. Tu as qui m'a beaucoup pamba. Tu as qui m'a beaucoup pamba. Ya yonde sengeli ete oyo kokenge na yango ezali bomoi na yo ya malamu lolingo zali kotambusa ngo na se na moi awa soko olobi ete ngai nakosala lokola moyebi wana oyo alobaki ete ndapoko aleyo tokozala ngai no na lola wana ezalaki okazio na ye ndako na ngai jugema ezali baoyo bakotambusa bomoi na bango malamu bakoyeba kosukola mitema na bango bakoyeba kolongolaka mabe kati na bango bakoyeba kolongola kindoki koyina kisatana oyo elakia bango oyo bazwa masumu lokola sheri balongoli yango batye pambeni ya lobi il est juste et fidèle mpona kolimisa alleluya to betele kolesu maboko makasi okokoba na lolenge oyo mesala kovivre nango. Je me rappelle les jours que Papa Prive a été hospitalisé. Il avait deux programmes. Lorsqu'il quittait la maison, il m'a dit il va à l'hôpital et après il va aller à l'inspection du travail. Voilà les deux programmes qu'il avait en quittant sa maison. Même le soir, on me dira, parce qu'on avait un programme de prière la nuit avec lui, on me dira, non, il est parti à l'hôpital et on l'a retenu. On l'a retenu, oui. Ça dit quoi? Hospitalisé ou non hospitalisé? Vous voyez, mon tombo à Salakanapomoy, mais c'est Dieu qui concrétise et qui réalise tous nos programmes. C'est pourquoi message il est temps. Nous voulons prier pour vous. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, venez, vous levez la main là où vous êtes, approchez. Nous allons prier pour vous et nous allons continuer. En attendant, les programmes et ça pour la Kisamaboy. Dégé Botamakina, na Mikana ou Bozala Mona Maboko. Nous avons commencé aujourd'hui la veillée mortuaire. Nous avons été jusqu'aux petites heures du matin. Et demain à 8h, juste à l'hôpital des cinquantenaires, mise en place terminée. Donc, préparons-nous pour les derniers hommages à notre frère demain à 8h à l'hôpital des cinquantenaires. S'il n'y a personne, que le nom de l'Éternel soit loué. Seigneur, nous te prions, nous te disons merci. Parce que au Bandakina Bissot, tu nous demandes
renseignement que nous puissions nous préparer et abandonner les dieux étrangers qui nous ont conduits et qui continuent à nous conduire maintenant. Tu as pris le ciel et la terre à témoin et tu nous as demandé de choisir la vie, de choisir la bénédiction. Yahweh, nous avons écouté ta parole. Et Germain a mis des maravissons. Et votre amboma, Mouvawana, et Pessa Bissot, occasion pour Koutananayo, Nambo Kanaelaka. Tu es le Dieu qui connaît tout. Nous prions pour tous ceux qui sont venus assister la famille, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, ceux les brèves d'amour pendant ces instants difficiles. Merci, papa. Que tout honneur et toute gloire te soit rendu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Oh,
commences avec nous et que tu termines avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez besoin de me présenter à nouveau. Je suis pasteur Jean-Marie Mbonguier de l'Église des Sanctifications pour la vie éternelle. Dans les derniers moments de notre frère, nous avons passé des moments de partage spirituel ensemble. Et pour l'instant, nous allons partager la parole de Marc chapitre 8. Nous allons prendre à partir du 34e verset au 37e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Hier, Priva était comme nous autres. Hier, Priva avait un programme. Il avait un agenda. Il avait une femme, il avait des enfants. Il avait de la famille. Il avait des projets. Il avait des projections. Par rapport à la lecture que nous venons de faire, l'apôtre nous parle de l'importance de la vie physique comme la vie spirituelle. Et l'apôtre met un accent beaucoup plus sur la vie spirituelle. C'est pour dire que ce corps que nous avons aujourd'hui, demain il va disparaître. Demain ce corps ne va plus représenter grand chose. Mais il y a une vie après celle que nous menons maintenant. Alléluia. Amen. L'apôtre dit, quelqu'un peut amasser de l'argent, il peut amasser tous les biens de ce monde. C'était pareil avec cet homme qui ne respire plus maintenant. Cet homme a aussi amassé de l'argent. Cet homme a sillonné le monde, il a voyagé. Parce que j'ai eu à parler avec lui avant sa mort. Il a eu à m'expliquer comment il a mené sa vie, dans les bons comme dans les mal. Et il a eu à confesser ses péchés. Cet homme a pris des avions. Cet homme a connu aussi des grands hommes de ce monde. Mais aujourd'hui, cet homme laisse derrière lui peut-être certains biens, beaucoup d'autres biens. Il laisse derrière lui des enfants. Il laisse derrière lui une femme. Et que vice-versa, cet homme avait un bureau comme le tien aujourd'hui. Cet homme avait une voiture qui te permet aujourd'hui de t'enorgueillir. Cet homme avait un salaire peut-être plus signifiant que le vôtre. Alors l'apôtre pose la question. Moto ou alingi ko gagner vinaï, il va la perdre. C'est pourquoi Salomon, dans sa sagesse, il dit dans Ecclésiaste, il compare la vie d'un homme avec la fumée. Alléluia. Nous fumons, nous voyons. Même lorsque vous regardez là, il y a des cheminées. La fumée apparaît à un certain moment. Et les yeux humains voient que ça, c'est de la fumée. Et après quelques secondes, cherchez cette fumée, vous ne la trouverez plus. Alléluia. Vous ne trouverez plus. La fumée est partie. C'est comme la vie des hommes. C'est pourquoi on n'a pas assez de temps. Il est temps pour moi et toi ce matin que la mort des Privas nous interpelle. Je l'ai dit hier à la veillée mortuaire que cet homme, lorsqu'il quittait la maison pour l'hôpital, il m'avait dit,
Et papa, pasteur, je vais à l'hôpital et après je passerai à l'inspection à l'immédiat. C'était ça son programme. Parce qu'on avait un programme de prière le soir avec lui à la maison. Mais arrivé à l'hôpital, Bakangi, non, tu ne reviens pas, monsieur. La situation nous a bien été. On l'a hospitalisé. Et dès l'hospitalisation, nous voilà dans un cercueil. Alléluia. Nous réunir et nous dire est-ce que vous ne pouvez pas vous pardonner, et parce que vous ne pouvez pas vraiment en tout cas vous pardonner, et qu'on fait se passer ça, on vit comme en famille. C'est que l'esprit de pardon était dans Priva, même s'il n'était pas pasteur, même si ces temps-là n'étaient pas encore arrivés. Ce que pasteur vient de témoigner, j'ai dit aussi vrai, il était quelqu'un qui nous poussait à nous supporter entre nous dans le monde. Il y a un parent qui m'a dit, m'a toujours dit, prie va dans ta vie, de toujours dire la vérité. Malgré les dégâts, les défauts, de toujours dire la vérité. Mais moi, je veux dire, j'ai ce que dans le cœur. Ce que j'ai dans le cœur, en vérité, c'est la haine. Parce que moi, mon oncle a souffert à cause de quelque chose, ce qui lui a pardonné. Ses propres droits. Il a souffert à cause de deux personnes. Et ces deux personnes, je les connais. Il m'a dit avant de partir. Je connais très bien. Pour info, moi je vais sûrement me venger. La parole de Dieu, nous allons délier, nous allons couper ces liens de mariage aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts, et nous devons déclarer cette dame libre. Alors nous allons l'entourer. Nous allons l'entourer. Et les hommes de Dieu vont crier à l'Éternel afin qu'il exécute sa parole. Et vous là-bas, vous allez lever votre main avec les mêmes paroles. Les hommes de Dieu vont prier. Priez au nom de Jésus-Christ. Il va à laisser une veuve 10 enfants. Ici, ils sont à 6. À 6. À 7. Donc 3 ne sont pas ici. Alors, au banal de loi, quand il s'apprit, va, reine, je vais, bah, et nous, on t'a rappelé, bah, comme on se goye, bi, y'a, bah, y'a, bah, zalia, bah, tiens, bah, quand on a laissé dans sa bête, on est dans la communauté, c'est que ce soit ça.
Merci les armes de la bonne humeur. Dieu le sait qui va dire la même Seigneur. Merci Jésus. Zambé na makokinyos, Monsanto na Lola, le Dieu trois fois saint. Nous te disons merci, Papa, pour cette occasion, Seigneur Dieu. Nous te présentons les enfants, les 10 enfants, fruits des entrailles de ton serviteur privat. Nous les consacrons entre tes mains. Nous les présentons, Seigneur Dieu, afin que tu agisses comme Père, que tu sois désormais leur Père. Qui ne manque de rien, Seigneur Jésus. Les scolarités entre tes mains, les croissances entre tes mains. Yahweh, que tu sois le Père, le vrai Père. Thank you.
ainsi tu m'as précédé dans le séjour de mort. Dieu étant le maître de temps et de circonstances, on a décidé que tu parles en premier lieu. Cher papa, tes souvenirs sont inoubliables. Ils resteront toujours gravés dans nos mémoires. Nous t'avons aimé et nous t'aimerons toujours. Merci beaucoup. La foi de Dieu, nous t'avons aimé et nous t'aimerons toujours, malgré ton absence. Merci, merci, merci. Thank you.
Thank you.
Mission TV, le miroir du monde.